la mémoire en couleur. Ce jour-là, c'est grand défilé au carrefour de la police. 1945, fin de guerre à Nouméa. Trois enfants dans la foule, trois petits Calédoniens en bleu, blanc, rouge. À leur âge, on ne comprend pas forcément, mais on ressent les choses. L'histoire en marche. Peut-être peuvent-ils encore nous raconter l'inquiétude de leurs parents en juin 40, une fois la guerre perdue et l'armistice signé là-bas, dans la lointaine métropole. Et puis, ce soulèvement quelques mois plus tard, cette dissidence calédonienne. Tous les parents parlaient alors de ce rattachement à la France libre du 19 septembre 1940, une Calédonie rebelle, courageuse, mais seule. Et puis, plus rien, ou presque, jusqu'à l'arrivée des Américains et leur omniprésence jusqu'en 1946. Papa et maman disaient qu'on ne reconnaissait plus notre colonie. En moyenne, pendant la guerre et après la guerre, il y a 30 000, la population kanak est de 30 000 personnes. Hein. Les Asiatiques sont un peu plus de 10 000, 12 000, 11 000, 13 000, suivant les années après la guerre. Et les Européens sont 17 000. Mais les Européens ont une forte cohésion, puisqu'il s'agit en grande majorité, comme on dit aujourd'hui, des caldoches, c'est-à-dire des Européens établis en Nouvelle-Calédonie depuis plusieurs générations. Une colonie. C'est ce que les étrangers peuvent découvrir à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Une population hantée par des souvenirs violents. Ceux du bagne, bien sûr, avec ses vestiges qu'on visite en famille le dimanche. Souvenir d'une société cloisonnée, figée, hiérarchisée en castes sociales et raciales. Les Blancs, les Asiatiques et surtout les Kanaks. Ces indigènes régis par le strict code de l'indigénat, écrit par les tenants de la civilisation des Lumières. Une Calédonie aux histoires plurielles et douloureuses, petite île d'un autre siècle. De Brooklyn à Hollywood, on entend soudain parler de cette terre perdue sur l'autre rive du Pacifique. 12 mars 1942, un choc mutuel. La première armée du monde, 18 000 GIs, partis de New York 2 mois plus tôt. En une seule journée, la population de Nouméa va doubler. L'île française, choisie par l'état-major américain pour la reconquête du Pacifique face à l'impérialisme japonais. C'est presque aussitôt un coup de foudre. Bien sûr, il y aura quelques tensions entre civils et militaires. Mais, pour la plupart, ce sera le temps béni des Américains. L'aile protectrice de l'armée US va rassurer les autorités militaires de la France libre. Quant au soutien de Vichy, ils ont pris le bateau, direction l'Indochine, resté légaliste. Entre-temps, en mai 1941, les volontaires calédoniens sont partis chercher la gloire dans les déserts d'Afrique du Nord. La Calédonie, un des rares pays au monde où la guerre a laissé de bons souvenirs. Cela a amené dans notre pays, un développement économique, social, une ouverture vers une autre culture et surtout un début de fracture de l'ordre colonial. Ce qui fait que les gens ont pu mieux vivre, travailler dans de meilleures conditions, être mieux soignés, se distraire et ne moins vivre chacun de son côté.
Les propagandistes américains lui ont demandé d'interpréter le rôle du bon guide indigène. Souriant, serviable. Pas besoin de forcer le trait. L'ambiance est à la décontraction et à la profusion. Fini les travaux obligatoires, les autorisations de déplacement. La loi nouvelle, c'est le service bien payé en dollars. Tous les bras sont nécessaires. Pas de régime de l'indigénat pour les Yankees. Le miroir d'une autre société qui veut aussi révolutionner les modes de production, industriels ou agricoles. Et cela va durer 5 ans. Dès 1944, on perçoit la victoire tout là-bas en Normandie. La nouvelle se diffuse dans tout Nouméa avant de se propager en brousse. Bientôt, la victoire en Europe, la capitulation allemande du 8 mai 1945, la terreur atomique sur Nagasaki et Hiroshima en août et la reddition japonaise en septembre. À l'aube de 1946, les Américains ont préparé leurs bagages, laissant des centaines de véhicules, des tonnes de matériel et ces bâtiments préfabriqués. Un tour à Landsvata ou dans les quartiers de Nouméa de l'après-guerre, impossible d'oublier la présence des boys. Une révolution dans le mode de vie, mais aussi dans les mentalités. Plus rien ne sera jamais comme avant. Au même moment, un paquebot quitte la métropole. À son bord, les rescapés du bataillon du Pacifique. Ils ont enterré 72 des leurs sur les champs de bataille d'Afrique du Nord, d'Italie et de France. Ils ont défilé sur les Champs-Élysées, ont été décorés par le général de Gaulle. Des frères d'armes, attendus par tout un pays. Le 21 mars 1946, 10 heures, ils reviennent. Frères d'armes, égaux devant la mort, toujours pas devant les urnes, mais l'émancipation est en marche. La société, elle a été changée par une volonté politique interne et par une volonté politique externe, mais externe et aussi interne, parce que les soldats qui revenaient de la guerre, notamment les soldats kanaks, ils avaient des aspirations nouvelles. Mais c'est vrai que la conférence de Brazzaville, donc, qui crée une nouvelle catégorie de relations plus égalitaires entre la métropole et les colonies, le programme du Conseil national de la résistance, surtout, hein, qui insiste sur ce point également, et les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, hein, qui décide d'abolir le système colonial et de placer les colonies soit sous la tutelle de l'ONU, soit de les émanciper. Des lendemains qui chantent, avec cet aspect grisant des nouvelles libertés. Ces enfants ne connaîtront jamais le régime de l'indigénat. Depuis le 1er janvier 1946, l'administration appelle les Mélanésiens et Loyalsiens les autochtones. Ils sont désormais citoyens français. À tout jamais, fini les prestations obligatoires. Désormais, ils savourent les libertés de circulation, de résidence et de travail. Un statut de droit particulier leur permet de vivre officiellement dans leurs coutumes. En écho à cette nouvelle égalité, la puissante Église catholique ordonne les deux premiers prêtres kanaks. En ce 29 septembre 1946, 4000 personnes convergent vers la cathédrale de Nouméa pour assister à la prise de soutane de Luc Amoura et de Michel Matouda. Tonnerre dans le ciel, ce sont les canons de la pointe de l'artillerie qui saluent l'événement, tandis que les clairons de la clique d'Azareux font résonner la Marseillaise. À l'issue de la messe, le vieux Germain de l'île des Pins lance un vigoureux « Vive la Calédonie, vive les missionnaires et vive la France !»
Les nouveaux citoyens semblent croire en la nouvelle Union française et en cette Calédonie devenue territoire d'outre-mer. Les Européens aussi, eux qui ont élu en 1945 un conseil général aux idées dites progressistes. Ils vont aussi envoyer par deux fois Roger Gervolino à l'Assemblée nationale, un descendant de bagnard italien, résistant de la première heure et apparenté républicain socialiste. À la même époque, c'est un homme de droite, Henri Lafleur, qui est désigné conseiller de la République à Paris. Deux parlementaires qui vont accompagner la modernisation de la Calédonie. En avril 1946, l'Assemblée nationale crée un fonds, hein, et l'État va prêter de l'argent aux territoires d'outre-mer à des taux très avantageux pour leur développement économique. Donc, en somme, pour la Nouvelle-Calédonie, c'est la première politique de rééquilibrage. Et il y aura donc des plans quinquennaux. Et chaque année, le Conseil général de la Nouvelle-Calédonie va affecter l'argent du FIDES pour l'amélioration des routes, des hôpitaux, des ponts, des ports, des conduites d'eau, des écoles. Et chaque année, il y aura cet argent qui sera affecté au rééquilibrage et l'amélioration des conditions de vie des populations. Les jeeps légués par les Américains permettent d'emprunter des routes chaotiques. Seul le tronçon nommé à la fois est goudronné au moment où sont lancés les grands chantiers d'infrastructures. On songe d'abord à renforcer la puissance des barrages de Yaté et de Dimbéa. Une Calédonie intérieure et extérieure va être désenclavée en plusieurs années. C'est d'abord le retour des liaisons aériennes civiles. Quelques privilégiés peuvent se payer le confort de voyager entre l'Australie, la Calédonie et Tahiti. Les amérissages vrombissants du Catalina de la Trapasse dans la grande rade de Nouméa, une véritable attraction à la fin des années 40. Et puis, sur le tarmac de Tontouta, en face des hangars américains, l'épopée d'Air France. À partir de 1948, deux vols par mois vont relier la Calédonie à la métropole en 5, puis 3 jours via Saïgon. Novembre 1952. On l'attendait, toute la ville est descendue sur le port pour accueillir le Calédonien. Tout nouveau cargo mixte, chargé de relier Nouméa à Marseille en 5 semaines via Panama. La Calédonie se sent alors dans la marche du temps, dans cet élan du progrès et de la modernité. D'autres chantiers vont s'ouvrir sur les routes. La construction de ponts va peu à peu remplacer le passage, parfois folklorique, de ces bacs qui ont fait le bonheur des cinéastes amateurs. La brousse va peu à peu s'équiper. Des dispensaires, l'adduction d'eau, des écoles. Ici, vers Yaté. Ce sont encore les équipements américains qui vont permettre de soulager la dure besogne de ces bûcherons de la forestière du Sud. Dans l'intérieur, les communautés mélanésiennes et européennes se côtoient, à l'école, dans les champs, dans les runs ou dans les cérémonies civiles ou religieuses. Elles vont apprécier ensemble l'arrivée d'une certaine modernité qui va rompre leur isolement. La société rurale va soudainement profiter des nouveaux équipements. Une ouverture à de nouvelles idées aussi. Car à cette époque, les idéaux de la gauche vont travailler les mentalités et enflammer les espérances des plus défavorisés. Un terreau fertile pour le tout nouveau Parti communiste calédonien.
En un an, plus de 2000 cartes d'adhésion, surtout dans les tribus. Le courant d'émancipation a aussi ses radicaux. Ce Parti communiste va avancer des revendications d'égalité sociale, d'égalité politique, d'égalité culturelle, finalement d'accession aux affaires publiques, hein, qui vont être reprises d'ailleurs dans les années 40-50 par tout le monde. Hein, et ce qui va provoquer une certaine peur. La peur que l'ensemble des électeurs kanaks, qui sont plus nombreux que les Européens potentiellement, finalement s'empare de revendications radicales. Une Calédonie aux mains de la gauche la plus radicale ? Impensable, alors que la France lutte déjà contre les communistes en Indochine. D'ailleurs, le combat des Viet Minh est en partie soutenu par la très importante communauté asiatique de Calédonie. À l'époque, 20% de la population. Leur mise en résidence libre en 1945 n'a pas vraiment changé leurs conditions de travail. En 1946, sur les mines de Thiot d'abord, puis à Vaux, les Tonkinois se mutinent. Répression violente, un mort, 7 blessés. L'agitation communiste en milieu asiatique ou mélanésien inquiète. 23 mai 1946. Il est 19h lorsqu'une bombe explose au centre-ville. Une partie du domicile d'une responsable du Parti communiste est soufflée. On ne retrouvera jamais les coupables. Mais, face au pouvoir d'attraction communiste, les clergés catholiques et protestants vont monter au front. Leurs ouailles ne doivent pas céder aux chimères radicales. Ils sont rejoints par de nombreux chefs coutumiers qui veulent aussi contrer l'influence de ceux qui veulent faire table rase du passé. Toute une catégorie d'autorités kanaks vont réagir, parce qu'aussi, ils sont hostiles contre une modernité trop vite engagée, en somme. Ce qui fait que l'ensemble, par exemple, des chefs, des petits chefs, des grands chefs, des conseils de clan, vont être pas d'accord avec cette irruption de la liberté un peu sous une forme incontrôlée. Et ce qui vont rejoindre les préoccupations des autorités missionnaires, qui naturellement sont hostiles à un mouvement laïque, d'inspiration communiste en plus, dans le milieu kanak, et qui est considéré comme un milieu dans lequel l'influence morale des églises est prédominante. Donc tout ça conjugué va faire que deux partis politiques vont se créer, l'un d'obédience catholique, Louis Callot, l'autre d'obédience protestante, la ICLF, à côté d'un milieu qui est né ni l'un ni l'autre, qui est dirigé par des grands chefs kanaks comme le grand chef Bouquet, par exemple. Fin 1946, ce texte, signé des chefs kanaks catholiques, appelle au rejet des idées communistes. Leur cible, ces agents de nuit qui agissent comme des roussettes, désireux de jeter la pagaille contre l'administration et les soi-disant esclavagistes blancs. Ce dépliant marque la naissance de Louis Callot, l'union des indigènes calédoniens, amis de la liberté dans l'ordre. La plupart des grands chefs catholiques ont rejoint le mouvement. Ils vont constituer la future élite politique des années 50. En février 1947, les protestants créent l'AICLF, l'Association des indigènes calédoniens et loyalsiens français. Leur président, Kowi Bouyan, grand chef des Poyatuo, publie un périodique, Le Messager, qui comporte des articles en langue kanak. Huy Callot, AICLF, deux organisations chrétiennes, autochtones et pro-françaises. Elles vont constituer l'embryon du mouvement politique qui va bientôt investir les urnes. Un cheminement par étapes. Car malgré la nouvelle citoyenneté des anciens sujets français, seuls 11% d'entre eux peuvent effectivement voter en 1946. Les chefs coutumiers, les anciens combattants, les fonctionnaires, les moniteurs et les pasteurs possèdent leur carte d'électeur. En 5 ans de recensement, jusqu'en 1951, l'administration va inscrire près de 9000 électeurs mélanésiens.
ils vont d'un seul coup représenter près de 45% du corps électoral. Une révolution. Si en 1946, tous les électeurs kanaks qui étaient majoritaires avaient voté, d'un seul coup, d'un seul, les Européens auraient perdu le pouvoir. Personne ne le voulait, côté kanak, personne. Parce que les gens n'étaient pas préparés, etc. Donc il s'agissait de trouver un compromis. Et le compromis a été difficile à trouver. Mais avec le recul, on se dit qu'il a été trouvé assez vite, plus vite qu'en Australie ou aux États-Unis d'Amérique, par exemple. Hein, puisque à partir de 1951, plus de la majorité des adultes kanaks votent, et c'est presque le cas en 1953, et en 1957, le suffrage universel est créé. Mais dès 1953, 80% des adultes kanaks peuvent voter. Les listes électorales de juillet 1951. Antoine Goromido, instituteur à Netshaot, peut ainsi voter pour la première fois. Comme lui, de nombreux kanaks vont découvrir le suffrage universel. Leur vote, massif, va assurer le lancement de la carrière d'un nouveau venu sur la scène politique locale. Maurice Lenormand, celui qu'on surnommera le député des Kanaks, va battre le député sortant, Roger Gerbolino. Monsieur Lenormand était un métropolitain qui était établi en Nouvelle-Calédonie dès avant-guerre, était venu faire son service et qui est revenu avec sa femme qui était originaire de l'IFU après-guerre et qui était un homme d'affaires et qui pharmacien et qui quand même s'intéressait aux questions sociales. Alors, il a été choisi parce que un autre Calédonien, Fernand Collardeau, qui était sénateur maire de Saint-Pierre de la Réunion apparenté communiste, voulait se présenter à la demande de militants kanaks. Et il avait une grande chance d'être élu. Voyant cela, certains missionnaires, certains hauts fonctionnaires, comme Jean Guillat par exemple, cherche un candidat pour contrer la candidature trop radicale politiquement, finalement, de M. Collardeau. Donc ils s'entendent sur M. Lenormand, qui se présente, et en face de lui, les gens sont divisés. Les gaullistes présentent un candidat, M. Gerbolino est candidat, M. Paladini, qui est le candidat de la gauche calédonienne, est candidat. Ce qui fait, à la faveur de la multiplicité des candidatures, M. Lenormand est élu, mais encore une fois, ça n'est qu'une étape d'un mouvement. Hein. Et ce mouvement, c'est de réunir les Calédoniens pour éviter un affrontement entre les deux communautés les plus importantes du pays. 1952. Le Conseil général doit être renouvelé l'année suivante. Le débat politique se crispe sur la question du mode de scrutin. À droite, on réclame un double collège, européen d'un côté, mélanésien de l'autre, au nom des intérêts divergents des deux populations. En face, à l'UIC Allo, à l'AICLF et chez les partisans du député Lenormand, on souhaite un collège unique, rassemblant Européens et Mélanésiens. Des personnalités européennes et kanaks vont considérer que, face à un risque d'affrontement qui existe en Indochine, en Tunisie, qui commence en Afrique noire, hein, face à un risque d'affrontement assis sur un nationalisme autochtone, il vaut mieux l'unité entre les Caldoches et les Kanaks. 12 septembre 1952. L'arrivée d'une mission parlementaire va clore 8 mois de crise politique. À bord de l'aéroglisseur de la Cantas, 3 élus métropolitains vont aider à résoudre l'imbroglio qui empeste la vie politique locale. Le sénateur Henri Lafleur, qui les a rencontrés plusieurs fois à Paris, pense qu'ils vont s'aligner sur sa position, se déclarer en faveur du double collège. Mais l'Assemblée et le Sénat veulent éviter une crise de la décolonisation. Les nouveaux venus vont rencontrer tous les responsables locaux et apporter leur soutien à la solution préconisée par le député Maurice Lenormand, un corps électoral mixte. Hormis sur la côte Est, les Calédoniens, Mélanésiens ou Européens voteront ensemble en février 1953 pour l'élection de leur nouveau Conseil général.
c'est le véritable lancement d'une union calédonienne entre les deux ethnies majoritaires du pays. Un mouvement politique qui va accompagner durablement les chemins de l'histoire calédonienne.